Alors les activités mises en place sont très nombreuses, essentiellement bien sûr à destination des scolaires. Tout d'abord, on a l'avantage à Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir de nombreux sites olympiques, comme vous le savez, avec plus de 4 cycles olympiques et 5 épreuves. Et donc on a mis en osmose plus que jamais la semaine olympique avec l'ensemble de ces sites olympiques. Les sites qui vont être visités par les scolaires et qui vont être utilisés par les scolaires, qui sont annonciateurs des Jeux Olympiques, avec cette volonté bien sûr du sport au quotidien, de la pratique amateur, mais également de tous les aspects sociaux du sport. Ce sont les sites du Vélodrome National, du Golf National, où nous nous trouvons en ce moment. Et on espère très rapidement y accueillir à nouveau, bien entendu, les compétitions internationales et particulièrement la compétition française avec l'Open de France, qui j'espère reviendra de golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, il n'y a pas de plus belle valeur que l'olympisme, c'est celle de l'équité, de l'engagement, de la valeur du travail, qui doit permettre à chacun de se dépasser, de respecter les règles, ça on y tient beaucoup, et d'être dans une compétition dans laquelle le premier a les mêmes chances que le dernier et dans les mêmes règles d'équité.